qui fait voyage pour l'au-delà. Encore, et bon courage, PDG nous, bon courage, le Codési, travail à continuer, Kembe FM par la guerre. Et nous saluons toute diaspora qui a fait un gros travail pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays d'Haïti. Haïti pas péri, Samba, Charlot, Théobald Pierre-Paul et Pierrot Elisma. Et présence nous matin, hein, c'est pour nous porter approche nous by des journalistes de valeur dans le pays qui senti yo lésé, qui senti Haïti important pour yo, qui identifié problème yo et puis gros problème qu'a fait ou qu'a rongé nation noire, c'est la corruption. Moi même étant que un cadre de l'Institut national de formation professionnelle, moi senti triste, moi senti doit me léser les m'a garder dérive institution ça. Mais juste avant, permettre que et mon capitaine de nous là contre mission INFP. L'Institut national de formation professionnelle qui gagne pour mission encadrer secteur professionnel là, que ce soit privé ou public. Et ce chapeau ça qui ça fait institution ça créé dans les années 70 et plus précisément 1973 t'es fait là pour faire un rassemblage de tout centre professionnel. Et en 1985, qui était une direction générale pour, avec même objectif là, c'est encadrer les centres professionnels, plus précisément le secteur professionnel dans le pays. Et je dis à la, on a regardé des rives qui ont rongé la société. Ça. Des fois, on a dit, est-ce que les gens qui ont dirigé le système ça n'est pas haïtien? Est-ce que des fois n'a reproché tête nous qui forme de dérive ou de corruption que nous avons? Et première plus gros dérive m capable dire dans système ça m'a constaté à l'heure actuelle, c'est valeur que ou pas bail les formateurs. Je dis à la Institut national professionnel, quel que soit le directeur général, le administrateur, il était tout directeur cadre dans système là ou pas exister si pas un centre professionnel yo. Et centre professionnel ça pas exister si pas gagne des bons formateurs qui pour camper devant eux, qui pour instruire, qui pour éduquer jeunes nous qui pour prendre des formations professionnelles. Mais est-ce qu'il y a moyen pour ça? Est-ce que nous c'est INFP? Oui, il y a moyen pour ça. Former et formateurs, former et mon qui fait couyo. Est-ce que ça pas arriver fait? Dis-nous, ba nous détail. Il y a moyen pour ça, il y a moyen pour ça. Tellement il y a moyen pour ça au lieu de employer des formateurs qui gagne parce que bon, explique bien journalisme. Loi sur fonction publique là, il dit clair. Les moun nan gen lettre stagiaire nan mel après 3 mois, depuis estimé moun sa pas compétence voyer l'aller. Mais depuis 3 mois passé, aucun bel c'est parce qu'on estimé le compétent. Mais sous-estimé le compétent aussi pour employer. Je dis à la gen des formateurs qui gen lettre stagiaire nan mel depuis 7 ans. Depuis 8 ans. 7 ans lettre stagiaire nan mel. Oui, donc je dis à la directeur général là, administration qui l'a pris sous quatrième exercice fiscal. Et ils ont toujours nommé moun. Ils ont toujours continué par le contrat. Pour des formateurs, ça aujourd'hui à la campé, qui a dénoncé, qui a dit ça va continuer comme ça, faut que vous nommez comme récompense ou une lettre de mise à pied. Est-ce que, bon, pas même une lettre de mise à pied, c'est dans le bouche où vous dites couper le contrat ou pas au contrat, chèque ou pas de l'INFP. Non, INFP. Formateurs, ça a côté où vous sortez. Ce sont des formateurs qui sortent dans l'école professionnelle, des centres pilotes. Ce sont des formateurs qui sortent, centres pilotes, qui sortent. Et JB Damier et autres qui ont éduqué Timoun dans la formation. C'est nous-mêmes qui avons gagné l'aide. C'est nous-mêmes qui avons gagné l'aide stagiaire pendant 7 ans. Pendant 7 ans ou choisi faire un abus. Laisse ça, est-ce que c'est haïtien? Qu'est-ce qu'a dirigé pour ça? Bon, actuel directeur général qui l'a, donc grand pile respect pour lui, c'est un homme compétent. Peut-être qui a piégé, qui ne pas comprendre ça, c'est Dickel Delvaris, qui a accompagné de l'autre valeur encore, qui c'est administrateur boîte là, qui c'est Hubert Charles. C'est des gens qui sont compétents. Je pense que tu es capoté. Mais est-ce que vous même tout, vous pas chita avec syndicat pour qu'on ait boîte là mieux que ça? Syndicat, c'est des gens qui sont dans le système. C'est ça que je suis capable de dire administrateur. Administrateur a 7 ans dans le système là, qui est entré ensemble avec. Mais directeur général là, c'est ancien chef des travaux. Institut national de formation professionnelle doté des directeurs des cadres. Excusez-moi l'expression, qui ce sont des égoïstes. Des gens qui ont 30 ans, 25 ans de service. Je suis capable de dire, d'après le constat que je fais, il n'y a pas progressiste qui ne peut pas rien de valeur pour le système. C'est des gens qui sont gardés là depuis 25 ans. Non, le système, nous sommes c'est l'État. Je dis à l'âme qui a fini de sauter là, je suis dehors à mourir. N'importe qui a mouru. Des poufettes ou qu'on est mourir. Mais je dis à la si les gens sont tombés et mourir là, qui est le système de l'allié? Pas de gens qui ont mouru qui a fait pour eux.
yo pas jamais travailler des conseils. D'autant plus gen moun encore qui voyager depuis 3-4 ans là. Pas yo pas jamais remplacer, gen des moun qui nan circuit fermé cap porter ko dans moun sa, chaque jour toujours sorti toute frais, toute bénéfice couverture sociale que vous avez jeune jeune. Pour combien nous combien là qui yo mettez pour faire nos fonds. Gen plusieurs formateurs, pas kembe chiffre dans tête, moi gen plusieurs formateurs. Et gen des moun qui double disciplinaire. D'après exemple avoir un jeune cadre qui est le Polika qui est dans le système là. Alors gen plusieurs autres même pour exemple. Monsieur Polika, un jeune garçon qui est dans trentaine qui c'est un double disciplinaire. Gen l'autre, même. Son jeune, depuis la deuxième année, il commence à travailler avec élève première année, avec étudiant première année, qui est très compétent, qui est mature, qui a 8 ans d'expérience avancée. Je dis à la, vous pouvez dire vous mettez le dehors dans le système, non? Ou choisir par renouveler le contrat parce qu'il a revendiqué une cause qui est juste. Vous pouvez dire vous estimez que ça n'est pas compétent, mais la société qui a jugé, il y a demandé, même là, c'est pas 8, ou pas là pendant 8 ans, mais vous avez 4 ans là. Comment on va regarder ou? Ou pensez à pour vous sérieux? Je dis à la même quoi faut système non. Et d'ailleurs dans la constitution 1805 article 24 constitution ça t'es empereur Jean-Jacques Dessalines t'es exigé quel que soit degré compétence un citoyen devoir vivre dans le pays ou de gros métier manuel. Pour qui ça nous même dans le pays d'Haïti le Brésil. On prend exemple deux pays, le Japon et la Chine. C'est deux pays qui appliquent pour idéologie ça Jean-Jacques Dessalines devine avec là. Je dis à la ou qu'on est qui plus gros devoir. Il y a un petit monde dans troisième année qui nous regarde dans la Chine, plus gros devoir pour entrer dans la classe fondamentale, uniforme sous lit, il faut cliquer à coude lit. Gen l'autre yo baye l'autre devoir, mais c'est un devoir que yo baye. Ou à quoi me valoriser le système professionnel là et yo fier oui pour parler de yon approche venant de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. On nous même qui c'est petite terre là. Mais pour moi-même, pour ça me arrive comprendre, et je sens que l'institut aliment qui fait promotion pour ça. Est-ce qu'il y a des programmes nous élaborés pour permettre que nous valoriser question formation professionnelle? Bah, nous détaillons ça. Journalisme, on compte ça que fait. C'est clair, c'est vrai. L'institut aliment qui fait promotion, on compte ça que fait ça. C'est parce qu'il n'y a pas encadré les valeurs. Et il y a des gens qui ont tous les temps qui ont quitté le système dans coincé comme ça. Pour les gens pas connaître, pour être toujours là. Pour y a couper raché, pour y a faire corruption, y a t'a plus à l'aise. Je dis à la si promotion t'a fait pour système professionnel là, que le monde a applaudi je dis à la. Tout quoi t'a passé ou t'a attendé. Pourtant y a provoqué des formateurs. Gen moun ki gen contrat pas même côté institution hein. Yo gen contrat nan. Yo gen contrat nan mais yo, c'est madame Tizanmi, petit Tizanmi. Mais est-ce que c'est des beaux formateurs? Est-ce que nous menons enquête sur ça? Yo pas bon de pas même contre système nan. Cependant formateur yo révoqué yo. Mais on parlait de monsieur à son monsieur compétent. Très compétent. Très compétent. Ça veut dire ça. Bon, peut-être, mais qui s'est passé? Là, il prend un noyau des directeurs cadres dans le système. Non? Ce sont des égoïstes, j'aime tout là, qui piègent. Peut-être lui-même, pour le bénéficier avantage, il croise même. Il laisse ça passer. Pourtant, son même qui est très compétent, qui est chef des travaux, qui compte ça, l'Institut national de formation représenté. C'est ça qui fait tout un document que le syndicat a produit. Nous demandons pour l'application de loi mai 2018, là, côté au mandé, une commission pour gérer le système national de formation professionnelle. Là. C'est parce que vous paquet de dérives. Vous avez besoin de commission. Si bon. Vous mettez c'est un directeur qui est en tête Oui, son directeur général. Nous exigeons la commission. Nous exigeons la commission, c'est parce que. Très souvent, nous avons des commissions, pas pour des résultats. Il n'y a pas de résultats, mais si elle est en ligne, loi 2018 là, je pense qu'il y a un bagage qui fait. Raison, parce qu'il a identifié ensemble des secteurs qui dans le système professionnel là, que ce soit privé ou public, capable de porter appui, laisse capable de coïncider. L'ensemble d'idées qui capable de pour ça, nous pas demander un nouveau directeur général ou laisser une commission. Dans la commission, il y a plusieurs personnes. Tout le monde a défendu une portion, tout le monde a besoin de participer. Non, il y a balise. Nous pas demander un directeur général. Nous pas demander un directeur général, c'est parce que d'après toute étude que nous faisons, pas oublier Haïti, son pays, constitution à reconnaître que c'est président de la République qui sortit. Des arrêtés présidentiels pour nommer quel que soit directeur général, ministre et autres. Et en plus de fois, négociations qu'on fait, ou qu'on joue des fois, les gens qui viennent intégrer le système,
li gen doit pas même mon chapeau système nan qui gen doit pas même productif qui vinn kon qui kon conduit dérive. Mais les lois 2018 là c'est pas nous qui produit mais nous wel carbon nous mandé pour appliquer. Mais les lois 2018 là paraît li dit li identifie ensemble de problèmes ça qui toujours pour causer dérive dans système nan, li dit si nous prend identifier un représentant dans chaque secteur système professionnel là et nous établir nous barrer on fait de route nous dit allez là li capable de garantir pour système professionnel pendant ça m'a mais quand ça cap passer en dans Chibé Damien en dans ça dit nous ba nous détails ça gagne en dans centre ça dans le temps nous connaissons centre ça on était formé les gens former les citoyens mais aujourd'hui a comme ça aujourd'hui on capable dire c'est malveillance des représentants de haut niveau dans système formation professionnelle là qui cause ça. L'homme Jibé Damier qui pourrait fêter 100 ans dans l'année 2025, qui sont centres de référence dans Caraïbes. L'autre année là. Qui pourrait fêter 100 ans, qui sont centres de référence pour Caraïbes là. Ils détruit les valeurs. Gros débloqué pour reconstruire, rien pas jamais fait. Je dis à là, des valeurs, des compétents qui dans le système, qui gagnent des chapeaux, capables de produire, ils ont mis au dehors dans le système. Est-ce qu'on pense un secteur comme ça capable de produire? André Jibé Damien, qui ça gagne? Qui coûte offrir comme ça? Bon, André Jibé Damien gagne un ensemble de coûts qui ont produit, qui, ou qu'on est autrefois, bon paquet de monde, référence Jibé Damien, c'était l'école qui produit pour presque toute usine de production dans le pays d'Haïti. Tant que ça vous fait. Par exemple, ou gen couture, ou gen plombier, ou gen construction bâtiment, électricité bâtiment. Sont des moun lè ou sorti dans Jibé Damien. Mécanique auto. Ce sont des moun lè ou sorti dans système nan. C'est des moun qui très compétent qui vous produit. Jodi a la jeune yo qui t'a besoin de formation professionnelle. Yo dans la rue. Et c'est pas sans raison, non, ouais, je dis à vous, paquet de bandits. Et ça, je dis là, mais quand tu me arrivé avec lui, c'est parce qu'en pile fois, nous méprisons côté technique. L'autre pays, le grand pays, ça fait un grand pays. C'est vrai que y a un pile d'importance avec côté université là, mais côté technique, c'est important. Je dis à la, nest qu'à faire machine, nest qu'à souvent, en très souvent, ça, on a côté technique là, au sorti, oui. Mais nous-mêmes, nous méprisons, nous, bah, comme si nous avons dit, c'est souvent les cales dans bagage ça son nek qui pas fini faire philo. C'est ça nous dit, c'est moun qui pas fini l'école. Mais si nous pas valoriser métier ça yo, qui genre de technicien que n'a bien. Nous dit pas grand pile dans le pays là. Et journalisme va me répondre encore pour me dire. Et c'est ça même en Pierre Jean-Jacques Dessalines te prévoit qui fait te exiger la formation professionnelle. Le plus souvent moun nan toujours dit yo li toujours tavle bayon connotation avec intellectuel là qui pas forcément ça. Moi-même toujours dis dans philosophie pam, yon intellectuel c'est un monde qui cap porter yon solution à un problème quelconque. Par exemple, yon grand mécanicien, yon grand technicien, son grand intellectuel. Machine moi en panne là, pas grand rien que me ka faire. Mais l'aimre le mécanicien vient il résout problème là. C'est tout à fait correct. Les bons intellectuels, faut qu'ils ton avocat, faut qu'ils ton ingénieur. Oui, yon c'est des grands intellectuels, mais professionnel là, constructeur bâtiment qui vient là qui bord tout système dans là. Électricien qui travaille dans le système, dans son grand professionnel, son grand intellectuel qui est. C'est ensemble de valeurs ça va nous produire. Je dis à la pour ne pas exagérer, je suis capable de dire tout si japonais, c'est intellectuel, c'est professionnel qui est, pour ne pas exagérer. Si un japonais qui a une machine qui a une panne, il parle de l'eau, il bon rangile. Lire l'eau, libre rangile, ce n'est pas parce qu'il n'est pas compétent. Il n'y a pas de temps, ou bien, pour pas de temps, ce n'est pas domaine. Il a appliqué ce système professionnel là. Ce n'est pas sans raison, je dis à la, ce grande puissance économique. Et nous-mêmes, ça prend naissance la caille nous. Secteur professionnel là nous exige la caille nous à travers les pères fondateurs de la patrie. On nous méprise. Et c'est pas sans raison que le pays a comme ça. Et m'a dit tout, est-ce que des dirigeants pays a doté ces derniers temps, pas pour beaucoup, dans le système banditisme qui a prolongé le pays d'Haïti. Et c'est ça qu'il y a besoin. Cependant, Haïti vient pas être un côté un savane. Moun à l'aise dans la corruption et même là la fait corruption qu'on n'est pas pourtant rien pour payer aller dans poste pas veut aller leur dénoncer vagabondage qu'il a fait ou mérite mourir. On va donc toujours l'autre point encore dans le système
dans le secteur professionnel là. Et vous êtes levé déjà dans Kaila? Oui, nous nous dit bonjour, nous saluons l'arrivée du président syndicat. Une valeur que pays d'Haïti mépriser, c'est ça que mettez pays nous comme ça, l'on méprise valeur yo. Je dis et map du tout si pays d'Haïti, peuple haïtien était qu'on revendiquer pour ça le besoin ou pas tap kachita, je dis là ou tap ouais, manifestation de là, un paquet de jeunes professionnels cap manifester, cap mander pour professeurs parce que des professeurs que vous mettez dehors cap éduquer qui très important pour le système non c'est pas ça d'après là je veux dire là mais haïtien plus dehors pour des hommes politiques cap qui besoin justifier à faire rapidement nous avons parlé de Jubé Damien mais sans pilote comment lié bon n'a dit bonjour à président Lévy la bonne nous plus détails sur la bonne pour vous élever mais dernière question pour vous mais qu'on a qui ça nous même dans syndicat que nous pourrons le faire pour essayer parce que je ne pas trop votre acide, non, envers le directeur. Mais si je ne cache pas parler avec lui, c'est que je ne cache pas parler avec lui. Nous faisons 4 ans, nous faisons 4 ans, le syndicat fait 4 ans, la parole avec lui, il était très là, tu as répondu au secteur? Bon, je ne connais pas. Mais cependant, je dis que s'il t'attendait, je dis à des rives qu'il a fait là, il va faire. Peut-être que des bagages qui ont passé innocemment, il n'est pas au courant. Comme ça, tout le cas complice, il croise les bras. Très bien. Même pas pour moi, là. Mais cependant, nous reprochons de mauvais comportements parce qu'ils sont quatre systèmes dans le lieu. Nous pensons qu'il était caboté du plus. Nous pensons qu'il était caboté du plus. Jean-Marie Lévé, bonjour, comment nous est? Bonjour. Bon, moi saluer tout fan radio. Vraiment, non pas me l'éveiller, Jean-Marie. Ma parlé là non SCSNFP, le syndicat des employés du système national de formation professionnelle dont je suis le président. Je dis à me sentir que moi très content et très fier pour me faire émission ça. Et message que n'a voyé Jodia, nous t'aurais même voyé le bail toute population haïtienne, spécialement bah et conseil et présidentiel là. 7 membres. Nous t'avons le tout by Premier ministre Gary Kony avec tout le gouvernement. Là. Parce que là, nous allons entrer directement dans la problématique de l'INFP. Et quand on parle de l'INFP, on parle de microprocesseur une action. La formation professionnelle, l'enseignement technique. Ce n'est pas une mince affaire. Là où on entend dire la formation. On parle de microprocesseur, mon technicien, qu'on soit parlé. Exactement, m'a parlé de cœur, m'a parlé de nom, m'a parlé de fin, une action, quand on parle de la formation professionnelle. Message que n'a. Alors, objectif émission aujourd'hui, hein, c'est parler sur un projet que nous voyons by un projet de proposition. Nous voyons by conseil présidentiel là, qui a 7 membres là-dedans. Nous voyons 7 projets et un projet de 31 pages avec tout annexe. Côté nous expliquer clairement et de fond en comble pour qui ça que nous voyons projet ça. Son projet de proposition pour nous mettre une administration et un conseil d'administration en tête INFP au lieu d'un directeur général. Après toute évaluation nous fait pendant environ 40 ans dans ce système. Son entreprise autonome liée? Non, son entreprise l'État que liée. Non, est-ce que l'autonome entreprise de l'État qui est autonome. Autonome, mais les sous-titres. Alors, les sous-titres, ministère de l'Éducation nationale. Cela veut dire projet ça que nous voyons projet à. Ça a près de 2 mois. Oui. Nous avons environ 2 mois. D'abord, depuis avant, ils ont installé le conseil présidentiel là, projet à Tégantan là. Avant, le premier ministre là, normalement installé, projet à Tégantan là. C'est ça, monsieur Dula, nous voyons un projet à chaque membre. Est-ce que le projet ça que nous voyons aller là, est-ce que ça veut dire ça traduit que. Ça traduit une satisfaction de groupe qui l'a. Alors, ça, projet a expliqué clairement pour qui ça nous mandons un conseil d'administration au lieu de un directeur général. Est-ce que tu as même fait une historicité pour les gens? Bon, la formation professionnelle pral gagne un siècle dans quelques mois là. Dans quelques mois, elle pral gagne un siècle parce que nous prenons exemple sur Jubé Damien. Jubé Damien, c'est la mère de tous les centres du pays. C'est un centre qui est créé en 1925, qui est inauguré en 1926. Cela veut dire dans quelques mois là, le pralguin y a un siècle. Et l'école, ça, c'est l'école de référence que tout le monde connaît.
JB Damier, c'est un centre qui a 7 spécialités, mécanique auto diesel, qui a construction et bas bâtiment, qui a que coupe couture, qui a travaux du bois, qui a mécanique à ajustage, et qui a métaux en feuille, qui a soudure. C'est un centre de référence côté Amérique là, dans les Caraïbes là, Mkadjou, qui a fait compétition à tout le monde qui a diplômé dans le grand pays. Okay. Cela veut dire, on l'école qui t'a fonctionné à plein rendement. Et à l'époque, JB Damier, t'es gagné 9 l'école qui t'a fonctionné dans l'ouest là, dans pays, dans l'ouest là, à plein rendement tout. Et l'ESA, direction générale système dans l'éducation nationale. En 1973, l'État haïtien créé deux gros institutions. Comment y aurait les INFP, centre pilote. Mais, et direction générale là toujours dans l'éducation nationale. Ils ont créé INFP pour préparer des programmes pour le système. Okay. Et centre pilote lui-même pour faire exécuter le programme yo, en 1973. Okay. Et là ça centre a fonctionné à plein rendement, tu gagne frais de fonctionnement, tu gagne que taxe ou masse salariale, enfin système là t'a fonctionné. En 1985, l'État haïtien dit que il a besoin renforcer la formation professionnelle, ni de côté privé, ni de côté public. Ni de côté public. Qu'on est en 1985, il fait INFP devenu une direction générale déconcentrée du ministère de l'Éducation nationale. Qu'on est INFP vient une direction générale. Exact. Cela veut dire, centre pilote lui-même, il fait le tourner, il un centre technique. Et INFP lui-même, c'est lui-même qui l'a pour gérer tout centre pour renforcer le système. Et c'était un pigot mal. Que yo te fait payer. On pigou mal yo te fait. C'est un pigou mal yo te fait payer. Ici en Haïti, ça faut expliquer c'est un gros mal. La constitution haïtienne. Là yo dit que pour direction générale, c'est le président de la République qui choisit le directeur, les directeurs généraux. Et en même qu'on y a là, directeur qui pral venir dans INFPA, c'est président de la République primature avec parti politique qui pral choisir. Et les que yo c'est ça qui commence en 1985, c'est la dérive système nan, tout mal système nan commencé. Parce que politiciens yo entré INFP te gon bel organigramme, un organigramme sérieux pour toute direction normalement, surtout direction des opérations, gen 7 services. Enfin, c'est un organigramme complet. Chaque politicien yo voye la tête système nan. Yo vin avec organigramme pa yo en fonction de besoin yo crasé organigramme. Adi, même là dans l'école technique là tout politicien impliqué yo pour faire ba yo mal marché même là tout. C'est ça nous parler de ça le projet de 31 pages que nous voyons ba et de gouvernement yo conseil avec gouvernement nous expliquer de fond en comble mais ça qui détruit la formation professionnelle. Parce que pendant ma parole là yo tout ça s'est crasé pas gain la formation professionnelle. Pendant ma parole. Par contre, qui travaille ou fait? Les politiciens entrent son parti politique qui voyait. Pas gain affaire de technique. Non, pas gain technique. Cela veut dire, nègre là entré justement pour le venir faire cob pour le faire campagne. Nègre là entré, et par exemple, l'on parle de recrutement, organigramme, système demandé pour directeur, pour chef des travaux, pour coordonnateur, pour un formateur, faut qu'on passe par voie de concours. Ou du moins, on a une belle carrière, on a une bonne promotion. C'est pas n'importe qui qui a porté dans le système. Ça. Exactement. Ce n'est pas n'importe qui. Par contre, on a violé tout le bagage. On ne peut pas dire que politicien ou formateur tout. Non, politicien ou pas formateur, ou militant. Oui. Comment expliquer ça? Regardez, politicien. Mais c'est ça que fait pendant ma parole avec quoi là. Système nous a dit système nous crasé. Parce que il y a plus militant. Même là, dans la formation professionnelle, on va pointu, on va pour la jeunesse. Militant était là. On va plus militant, sécurité que formateur. Plus militant? Plus militant, plus sécurité que formateur. Et tandis que dans le monde entier, yo dou la formation professionnelle ou bien une institution technique, il faut gagner 75% de techniciens, exact. 25% de bureaucrates. Exact. Parce que nous avons besoin de bureaucrates quand même. Nous avons besoin. Yo. Nous besoin yo. Mais alors, en dans INFP, le fait à l'envers. Le sens ça que. Rappelez-nous bien, tout le monde qui a attendu l'émission ça.
nous pas attaquer personne. Nous pas faire émission ça pour un monde ni contre un monde. Nous présenter des faits, là nous fin faire constat. C'est là nous fin faire constat. Nous fin évaluer toute bagaille, nous ba nèg yo sentence. C'est ça que fait nous sémenter 77 fois nous même dans le système pour le moment présent. Nous dit le syndicat nous pas prendre politicien encore en tête INFP. Alors c'est ça qui fait que nous demandons un conseil d'administration. C'est ça qui fait nous demander conseil d'administration qui a toute composante là-dedans, qui a représentant professeur, représentant. D'ailleurs, il y a une loi qui loi 2018 mai 2018 là, il déjà parlé déjà de conseil d'administration en tête INFP. Oui. C'est avec lui que nous venons là tout oui. Et nous demander conseil là parce que nous tant des grand pile rumeur qui dit que nèg yo déjà prépare un directeur pour voyer pour nous. Eh bien nous dit que le et gouvernement et premier ministre Gaïkounia, que le conseil et présidentiel là nous dit n'a pas campé en quoi cette fois-ci parce que un système qui a 40 ans l'en dérive ça. D'ailleurs, objectif politicien, c'est dévaloriser la formation professionnelle. C'est bureaucratiser la formation professionnelle. C'est politiser la formation professionnelle. Nous dit nous bouquet. Parce que là, nous entrons dans un système où dit la formation professionnelle, qui premier bagaille, ou est formateur. C'est formateur, pendant ma parole là, c'est eux qui sont humiliés dans le système. Comment t'as voulu? L'État a 22 centres environ. 22 centres, l'État a gagné, comme tu as dit. 22 centres de formation. 22 centres de formation. Par rapport à la modernité technologique, où tu mets prendre toutes 22 centres, ou blender les baboyoun. Ah bon? Oui, mais par rapport à la technologie. Nous prenons un exemple comme JB Damier. Les INFP pas arrête là. Ils prennent un paquet de techniciens, politiciens qui accompagnent. Ils ont des INFP toujours qui accompagnent pour faire travail là. Oui. Pendant ma parole là, JB Damier sont l'école qui sont centre qui crasé depuis longtemps. Pendant avant tremblement de terre, centre était quand crasé, nous-mêmes les étudiants, professeurs, nous toutes, nous t'es pral fond raf pour nous t'es capable et reconstruire l'école là. Tremblement de terre la vienne passer lié effondrer. Centre fait 14 ans en bas un hangar qui pas li pas jamais reconstruit. Les a pas jamais non, regarder. Non, pas jamais reconstruit. Sans matériel, sans matière d'œuvre, sans outillage, en bas bout de tôle avec bout de bois. Juste avant de continuer, ça m'a dit nous même dans micro vérité n'a fait connait. Ouais, au lieu pour politicien, n'est qu'à faire politique. Au lieu pour ta penser cité a, au lieu pour ta penser population, puis a dit que mes types de pays que nous besoin, ouais, dans tout système tout dans tout compartiment pays a net, c'est militant qui a rentré là-dedans. Pourquoi fait qui ça ou pas connait. C'est banek job pour rouler gros machine, banek job pour gagner plus de ménage. Pardon, en sérieux pas gagner. Mais non, parce que nous pas continuer avec bagay ça. Est-ce que nous capable continuer avec un genre de bagay comme ça côté que la formation professionnelle ou bon équipe jeune là chaque matin que lever en rien on pas régler. L'état pas paraisse construire rien pour yo pour ta permettre que yo rentre en côté. Gien jeune qui poko ka l'université, gien qui pas jamais à l'université là. Parce que pas de moyens pour ça. Alors que le TK a des moyens pour l'entrer dans l'autre école technique, pour venir un grand technicien de Mestive, nous créer pas moyen d'essayer de moyens, nous banaliser par ça. Nous faire comme si comme une qui a dans l'école technique, une qui fait mécanique, une qui fait plomberie, et comme si nous avons son rejeté dans la société. Parce que le fait que le pas de chita dans l'université, nous galvaudons des bails comme ça, jusqu'à ce que va une sans valeur. Et journée aujourd'hui, c'est militant qui intégré formation professionnelle là, mais nous pas faire comme ça. Nous pas faire comme ça non. Est-ce que nous sommes d'accord qu'on y a là pour monsieur politicien yo a grasé un pays comme ça, n'est là nique monter le besoin poste, même j'aurais conseil la boumé là, yo besoin poste, yo besoin direction générale pour faire qui ça pour rien pour remplir poche alors que jeunesse là lui-même, il besoin de formation, il pas joindre lui. Et les politiciens yo entré en dans centre, tout militant yo nommé rapide. Tout militant nommé. Tout le monde militant nommé rapide. Al gade, al gade le système nan la. Al gade le système nan. Si gen 400 formateurs, gen plus contractuel, nek stagiaire. D'ailleurs, gen nek les stages pendant 6-7 ans pa ka nommé. 6-7 ans, nek ki diplômé, gen diplôme génie. 6-7 ans, yo pa ka nommé. Pendant ce temps, les politiciens yo entré,
tout militant yo rapide et gien cap toucher plus passé directeur passé tout formateur tout là moi c'est que faut gars connait avec toute équipe dans les bails ça là ça est très important. Regardez, il n'a pas de formation professionnelle, c'est la jeunesse même n'a pas le oui le pays c'est le pays il n'a pas le non même, mais regardez moi même moi dis déjà c'est INFP qui prend zame qui mettait l'en métier monsieur dans la rue INFP c'est INFP qui fait. Alors, il n'y a pas fait sous la forme concrète, mais il ne faut pas valoriser. Exactement. Parce que, regardez, laissez-nous parler bien. Là, une série de formateurs qui finissent, série de petits mondes bien formés, qui entraînent dans le système. Au lieu que pour nommer, ou mettre en stage, ou mettre en contractuel, on finit et prendre des militants pour nommer. Et système non, c'est vocation. Cela veut dire la formation professionnelle. Donc, là, système non, c'est vocation. Oui. Depuis pas de formation professionnelle, c'est vocation. C'est la vocation. Exactement. Je dis la vocation, c'est un élément naturel. Exactement. Que possède chaque être humain. Oui. Là, on dit monde, par exemple, nous avons certains polycars en dans système non là qui gagne 2 ou 3 diplômes, qui bien intentionné, mais c'est l'encontre actuel lié. Pendant l'encontre actuel, la demande des salles qui a besoin et sécurité macaquel. C'est le tribunal que y a avec yo la kounya. Pendant ce temps, il y a un monde qui bien formé sécurité militant yo. Ouch! Bon, regardez, nous t'a souhaité que premier ministre Gary Kony te attende en tant que gade, en tant que président syndicat. Moi dédié toute vie à la formation professionnelle. Okay. Mais pour le moment présent, moi déçu pour moi une institution corrompue comme ça. Par contre, ça que nous avons ajouté clairement, il y a ce qu'on appelle l'ingérence politique. Comme tu as dit tout dernièrement, nous insistons sur le fait que l'INFP doit être préservé de toute ingérence politique. Non, là, pas qu'il y a politique. Si nous avons vraiment volonté pour nous tabayer Haïti. Et pour nous retirer Haïti, la spirale destructrice, faut que nous t'as séparé la formation professionnelle, l'enseignement technique de parti politique en Haïti. Parce que m'a dit clair, et moi t'as parlé de loterie nationale. Loterie nationale a marché plus bien passé INFP. Ben sérieux, parce que loterie nationale, il y a contrôle tout type jouet, tout banque bolette. INFP pas gain contrôle on centre. Parce que l'État créé centre, en nous clair. Comme si INFP pas gain contrôle on centre. Regardez, INFP nous considère comme une boîte payroll. Comme une boîte qui l'a pour projet. Parce que jusqu'à présent, pendant ma parole là, pendant yo jour que tout petit monde ça tout formateur youn pa ka nommé k'ap fait grève k'ap goumen jusqu'à présent pendant ce temps gen un paquet monde qui chita pays étranger les directeurs paquet monde qui 3 4 ans k'ap touché dans l'état oui ah non c'est ça que la corruption outrance monsieur certain que ministre éducation nationale a tendé tout ça très important les nous mandé conseil d'administration en tête INFP c'est pas comme ça quoi. INFP n'a reprend a dit gon équipe moun k'ap touché l'argent dans les directeurs de ces directeurs non pays étranger non seulement l'argent non seulement y'a touché yo bénéficier toute couverture sociale yo toute couverture sociale bénéficier couverture sociale et ceci ouais n'a tellement méchant ouais on va parler on va dénoncer ça pas bon n'a tellement à l'aise dans la corruption ou bon pour mourir et en 2000 n'en fait exercice fiscal 2022 Cour supérieure des comptes sorti en note li classé 7 institutions publiques qui sont corrompues, étant que journaliste, nous comprenons ça. INFP 7e. L'année dernière, il y a une autre instance encore qui travaille sur son organisation qui travaille sur contre corruption. Il met INFP en premier. L'Emville, là, dans ma tête, il dénonce ça. Ou qu'on est administrateur a écrit non, note, il sort, il placardé dans tout bureau dans INFP comme mon cap marché dit il y a raté l'argent tandis qu'elle pas prêter du doigt avec instance qui dénonce là non nous même qui vient là nous dit par rapport à telle institution qui dit tel bagaille nous demander une note mais mes amis leur travail dans le système n'a pas oublié droit yo étant que fonctionnaire d'état loi sur fonction publique là bail 3-4 non institutions capable remet fonctionnement institution li écrit n'importe yo veut tête ensemble yo écrit n'importe instance mandat audit son droit que au nous sur fonction publique là mais leur fait son fait pas méchanceté pour qu'ils soient pas écrit ou pas mandé Cour supérieure des comptes venez avec notre c'est-à-dire vinn prouver pour qu'ils soient pas écrit au PCMH
qui dit que qui met en première position en décembre 2023 comme institution qui peut corrompre, c'est non Erol Charles Civil comme citoyen qui a dénoncé ça et corruption a fait vœu. M'a bon bagarre, m'a bon bagarre rapide. Et avant premier ministre Lamotte, il y a un cadre dans l'État. Alors, l'État reconnaît un cadre dans l'institution à partir d'assistant chef de service. Assistant chef de service, assistant directeur, il y a des comptes qui ont frais. 4 téléphones carburant. Mais dans le budget, exercice fiscal 2012-2013, et Laurent Salvador Lamotte a retiré frais pour les chefs de service. Mais il y a toujours assistant avec 4 de recharge, avec carburant. C'est ça, il y a tout le monde qui est en cadre de bénéficier de ça. Li écrit noir sur blanc sur loi code du travail. Et puis qu'on y a qui ça vient passer mais frère yo compte ba chef de service li bimensuel yo ba un frère bimensuel. Moi capable dire depuis chef de depuis me connais dans institution ça, moi jamais joindre frère bimensuel. Bonjour. Et nous gagne administration ça là. Yo fait administration ça là. Administration ça là, yo fait 12 mois. L'un des l'autre yo pa bay carburant. L'endre nous dénoncer ça. Yo vinn bay li en mai 2023. Yo fò moi pa bay li. Yo bay l'autre mois, yo fò moi pa bay li. Actuellement là, yo fait bay yon mois gaz. Yo pa bay gaz depuis 27 février. Depuis mois février yo bay gaz, yo pa bay. Kon ya vinn bay bon mois. Tandis que carburant li fait sous budget exercice fiscal là. Li capable 12 mois, capable 13 mois, 14 mois, même pas plus petit que 12. Même les finances ta gen problème, yo pa bay li. Ta gen problème, nous connaissons l'état pays nous, mais les a bay li, a bay tout. Nego arrange yo pour yo moutro nan correction yo à l'aise, y a piétiné, y a persisté dans ça. Et l'on parle ou bon pour mourir. Ou a vinn détracteur qui a fait menace verbale. Et l'on dénonce menace verbale là, y a voye mandat ba ou. L'on rive dans tribunal, y a plaidé a dit c'est menti. Parce que yo connaît que tribunal pas reconnaître et depuis ou connaît gen moun qui pas servir moun témoin gen moun qui va dire ou te dit voter dit vrai gen moun pas besoin précaution que nous ka comprendre ça c'est tout genre de problème ça et tout genre de menace ça yo ou non institution a fonctionner ça dit nèg yo à l'aise dans corruption l'a dit li pas bon l'a dit non li pas bon ça pas continuer comme ça employé gon comment pour traiter budget exercice fiscal INFPA li représente 26% dans budget et éducation nationale. Oui, il représente 26%. Oui, budget INFPA représente 26% dans budget exercice fiscal éducation nationale là qui vient bon et plus que 2 milliards de gouttes. Et puis pour 100 pilotes dans l'état ça. Bon, JB Damien dans l'état ça. Contre l'argent ça aura. Simta ajoute au magay et nous dit clairement pays d'Haïti les besoins d'un système de formation professionnelle encore qui libre de toute ingérence politique. Regardez, faut que nous chita sous ça. Il a parlé de ingérence politique. Pas une institution technique dans aucun pays dans le monde que vous avez un parti politique dirigé. Depuis, d'ailleurs, l'on parlait de la formation professionnelle ou parlait de des politiques ailleurs. Alors, l'on dit un politicien dans n'importe pays ou d'un gros bagay. Oui. Mais ici, en Haïti, on a affaire à des politiques ailleurs. Parce que, n'est-ce pas qu'on voit l'importance de la technique. Parce que, comment on a voulu faire ou dans un pays, tendez, oui, l'État a créé INFP pour renforcer son système. Quoique budget la formation professionnelle là, il n'est pas élevé. Parce que l'on a regardé le budget de la formation professionnelle en Dominicani là. Son paquet à faire. Et la formation professionnelle, l'université. L'on a regardé Cuba là. C'est près de 50% dans le budget pays qui est affecté au niveau formation de l'université. Sous la oui, formation, la formation en général. Parce que vous connaissez l'IC pour la production. Oui. Sans la formation. Ça, toujours dit. Sans la formation. Qui pas connaît, pas diriger pas pays. Ou pas connaît ou diriger pays. Alors, journée budget INFP, il y a environ 2,5 milliards de gouttes. 2,5 milliards de gouttes. 2,5 milliards de gouttes, ça y est là. C'est pour sentir que vous avez là, oui. Si reste l'arrêté pour faire l'autre bail, c'est pour sentir. Alors que tout le monde
qui a travaillé dans l'INFP, c'est sous deux centres qui a touché. L'État m'a demandé pour renforcer le centre et pour ça le créer. Mais t'as l'air de dire que l'INFP n'a pas de contrôle aucun centre. L'INFP, je jure, il n'a pas de contrôle aucun centre. Là que nous dit tout le monde a touché sous deux centres, budget a normalement, budget a gaspillé dans le bureau central. Bon, même si on était bas 0.5 là, c'est environ 2.5 milliards. Oui. Si on était bas 0.5 là, cela veut dire que tu as penché sur les roulettes. Cela veut dire budget ça, yo, ça y prend. Centre qui pour ta gagner 15 monde, 20 monde qui pour gérer, un centre qui pour ta gagner 50 monde qui pour gérer, il gagne près de 100 là-dedans. Mais dérive ça yo, dans quelle période, dans quelle année nous commencer à venir dérive ça yo dans le système ça. Moi même d'après moi dérive là commencé à partir de 1985 à nos jours. 1985. Depuis, mais alors 8 dernières années ça censé aggraver davantage parce que ça que l'a disparu. Oui, parce que jusqu'à présent système dans la pendant 8 ans système dans censé et personnel a vienne doubler yo doublé personnel là avec une série de monde qui pas gain rapport à système dans du tout. Système n'a pas jamais bail résultat. Résultat système dans c'est dérive. Et c'est raison ça. Pas plein boîte là avec militants qui militent pas même qui pas même formé même. Mon débiné a vienne sous tête nos militants, on grand ouais ça vienne. Non mais jusqu'à présent, INFP là pour ta former militants yo oui. Oui. Mais militants pas bande formé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si c'est des techniciens conscients qui étaient en tête INFP. Automatiquement, militants c'est pas parce que c'est l'État pour gérer qui pour gérer toutes mes militants. Si c'est pour INFP censé que système dans son richesse lié son gros richesse c'est l'éveillé Jean-Marie Doussa. M'te directeur JB Damien moi-même. OK. M'font carrière JB Damien étudiant professeur directeur à l'époque spécialité c'est la construction des machines agricoles. OK. Et automatiquement nous quand fait des expositions d'œuvres dans les $300,000 chaque année. Même là après vous savez dire là au niveau du ministère de l'agriculture qui apporte une d'apporter. Exactement. Non, mais regardez, nous quand fait environ près de exposition d'œuvres dans les $300,000. OK. Là on sait ça. Nous quand fait. Oui. Mais politiciens yo pas cœur de ça ou dire là. Et tout grand technicien pareil moi yo nèg yo décourager tout quitter pays ya. Ça qui mouri moi-même poème là on passe prison pour système là on prend prison on prend gaz on prend toute qualité bagaille c'est parce que c'est ma vocation et me besoin prend pension même pas gain courage pour me quitter système là chaque moi là parce que on capable dire clairement gon travail moi fait dans système extraordinaire travail moi fait il était capable conduire Santio vers le progrès parce que me crée un paquet de balance entre là politiciens yo pas servi avec nous moi créer toute bagaille qui pour ta faire système dans Montero d'abord me galbo bien c'est moi créer la fédération des techniciens haïtiens quand des fédérations de me canaler jusqu'en Italie le forum fédération qu'a fait fédération ça yo kan gen $1 million sous compte yo en accord avec l'État pour tous les anciens diplômés tout vin entrer dans la fédération pour yon banque de compétences pour travailler en étroite collaboration à l'État. Exact. Ici on créer fédération ici INFP pas qu'on va comme ça du tout puis on va parler pas fait ça. Non non et pour me pas dire pour me parler mais non directeur c'était directeur Guillaumette qui était membre de la fédération nous te gen Jimmy Albert qui membre tout nous te gen David Genesse qui était conseiller équipe moun sa à l'époque qui était mais malheureusement yo tiré par contre après la fédération des techniciens yo pas occupé nous avec moi créer GredTech un groupe de recherche pour le développement de la technique qui valorisait acquis parce que me vinn vérifier un paquet si mon cap Jérémy qui a fait hélicoptère qui a fait machine esclavage nous disons souvent là si génie ça yo nous créer depuis 2001 oui nous créer GredTech pour nous ramasser yo pour INFP tu es capable nous gagner en République Dominicaine exactement pour INFP tu es capable prendre connaissance avec yo pour nous te gon bon il va faire ça non il pas dans bagaille comme ça du tout c'est bon c'est pas plus que monsieur ça vient deuxièmement moi créer un hymne à la technique nous dépenser plus de $30,000 pour hymne à la technique là à l'époque c'est font face à lesien font face par les nationales qui mettait hymne sous CD c'est jurons pour une Haïti libre et prospère au progrès la vaillance nous gouverne Haïti sera de nouveau orné notre âme aura la joie de nouveau né la technique guérira sa blessure au nom des aïeux nous disent un bel hymne m'tendez hymne n'a passé dans radio puis en boucle Miami ici en Haïti yo pas valoriser
yo pas valoriser. C'est grave. Regardez, dernier bagage moi fait. Moi créer bus fondateur l'école technique en Haïti. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fondateur l'école technique en Haïti? C'est Jean-Baptiste Damier. Mm-hmm. C'est consortant de JB Damier. C'est non Jean-Baptiste Damier, le centre l'emprunt, mm-hmm. qui va attendre JB Damier. Okay. Sous occupation américaine, gouvernement Bono qui t'a prôné mm-hmm. la technique, mm-hmm. yo baille l'école là pour tes noms Jean-Baptiste Damier. Mm-hmm. M'fait bus Jean-Baptiste Damier, m'dépense $60,000. M'fait en bronze. Okay. C'est pour te sensibiliser jeune oui, sur oui. le rôle important de la technique à l'échelle nationale, régionale et internationale. Moi, fais bus en sidéroge tout, l'un des pionniers de la révolution technique en Haïti. Mm-hmm. Nous mettons tous les deux devant JB Damier pour sensibiliser jeune. Yo. Mm-hmm. Yo prend bus yo, yo mette long coin. Il y en a fait pas qu'on a fait bus. Kere, moun yo pas vin régler affaire technique. Non, c'est bagaille politique. Ça bagay tout ça me fait pour te monter système nan, en haut. Politiciens au descend. Mm-hmm. Ndou yo même prend prison. Kounya la me vin créer, regarde, toute association qui créer. Toute association créer dans système nan, politiciens yo divisé nous, yo crasel. Mm-hmm. Première association, yo crasel. Deuxième association créée là, kounya la, yo essayé crasel encore. Mm-hmm. Parce que direction générale INFP a qui ça le fait? L'ensemble pilote de formation professionnelle, ou pral gade kounya, ou pral ou enèk qui était président association que les Anfotech là, yon pral yon mette le directeur centre pilote. Nèk qui était vice-président association, yon mette le chef des travaux. Yon krasé association et deux nèk yon pral krasé centre tout. Cela veut dire conseil de travail politicien yon a fait, nous dit nous bouquet cette fois-ci. Et budget que l'État baille là, nous dit que. Même si vous êtes pour un petit parti, vous êtes là, Sancho, Sancho tape marché sur les roulettes. Formateur, pas de petit cafétéria. Formateur, ou souhaite figuer formateur. Comment vous voulez un formateur dans le moment ça, qui a touché 20-30 000 goudes? 20, il n'y a pas même suffit pour payer la camionnette. Mon cher, je directeur JB Damien, je toujours fait supervision dans le salio. Montrer, on l'a moins joué, son un étudiant qui a assuré ça et coup là. Je demande ça qui passe. Pour charrer le téléphone, il dit directeur, si je fais un petit coup dehors, je vais une camionnette là. Cela veut dire l'État n'a pas payé formateur. Et formateur a mérité encadrement. Moi-même prends exemple comme formateur. L'État n'a pas investi dans mon. Non, pas investi. Moi-même prends, regardez, comme formateur, je vais 25 promotions dans celle JB Damier. Plus de 25 promotions dans JB Damier. Et si c'est pour JB Damier, je tâche une bicyclette. Je fini. C'est parce que je m'oblige à le faire secteur privé tout. Mm-hmm. Mal fait secteur privé, de directeur technique jusqu'à directeur général, long gros établissement Raymond Flambert. Okay. Mais à cause de ça tout, depuis quelques années, nous avons un message à l'État, oui. Uh-huh. Secteur privé a des affaires là. L'idée de l'État, grand absence ou manque de main d'œuvre qualifiée. INFP rate mission. Rate mission. Je dis rate mission. Parce que qui ça n'a pas fait? Là, il y a besoin d'un bon technicien. C'est un Dominicani, c'est l'autre pays à chercher. Oui. Parce que politique a fait dans le système là. Quand on prend une main d'œuvre qualifiée, non. Les vraies compétences du système, ils ont découragé, ils ont quitté. Nous pas investi dans jeunes, nous pas mettre Ils ont quitté. Par contre, journée jeudi, hein, regardez que où est nous fait. Nous chita, nous réfléchit pendant quelques temps mm-hmm. pour nous faire un projet de 31 pages pour nous mm-hmm. voyer bas dirigeants yo là mm-hmm. et nous camper. En quoi cette fois-ci, nous goumé depuis plus de 25-30 ans, nous dit nous pas capable, nous goumé trop avec politiciens. C'est la guerre depuis des années entre les politiciens et les techniciens vocationnels en de pays d'Haïti. Mm-hmm. Cela veut dire, journée jeudi, il est nécessaire pour le gouvernement entendre les cris mm-hmm. syndicats. Mm-hmm. Il est nécessaire parce que c'est l'un bon bois que nous y est. Uh-huh. Nous dit que cette fois-ci, fin politicien fait pour faire un dans système dans l'art. Mm-hmm. Parce que après évaluation, c'est politicien qui détruit INFP. Mm-hmm. Et nous écrit tout bagage ça yo, l'un yon projet que nous voyons par les dirigeants. Cette fois-ci, ils sont obligés de tendre nous. Mm-hmm. Quoi que nous tendons des rumeurs, je vous dis déjà, mm-hmm. il a préparé monde pour envoyer l'entête INFP, nous dit non, c'est raté. Mm-hmm. Ça nous pas passé. Ça, bataille la pape, j'aime finir. Bon, mon second pour nous tourner, on a parlé de questions de formation professionnelle, dérive qu'a fait en dans INFP. Et M. Caleb Jean-Baptiste, comment nous est? Monsieur Vladimir Désir, mm-hmm. journaliste PIA. Moi, saluer journaliste Elfort. Mm-hmm.
ou bien je vais payer, je salue tout auditeur, auditrice, fan inconditionnel, émission ça, gros émission micro-vérité. Je salue mon bloc avocat qui est toujours branché, madame Rebecca Poteau, ce petit bloc là, maître Zécule, et tout l'autre bloc là, je salue les syndicalistes qui n'a micro là, qui prend responsabilité yo. Pour dénoncer des vagabonds, des corrompus, vraiment, qui prennent WhatsApp, INFP, comme brat, maman, ou papa, yo, et comme si c'est propriété privée. Yo. Et même gens, ça fait non pile l'autre boîte et FME, ils fait non équipe l'autre boîte en coin dans le pays, nèg ça yo. C'est vraiment pas compris. Bon, clair avant. Juste avant, élaborer. INFP, nous connaissons que les responsables de la formation professionnelle en Haïti, et nous connaissons que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui est sous tête. Li. Et nous connaissons une pile bataille qu'on a menée, surtout au niveau de FNE, en pile l'autre boîte encore, côté que il y a une grosse dérive qui a fait là dedans pour nous dire mais est-ce que mettre Caleb pas au courant de ce qui a passé dans l'INFP? Parce qu'il y a une pile cause l'a dénoncé, et au niveau de l'INFP, nous regardons que, d'après les syndicalistes là, c'est militants qui remplit boîte là, c'est politiciens qui crasent boîte là, on institution qui n'a formé des techniciens, et je dis à nous pas des techniciens encore pour nous dire est-ce que mettre Caleb pas bon travail qu'il fait sur ça. Me dit bon mais c'est réel pour moi. Attendez, depuis quand on autant des ministères de l'éducation nationale coiffé sous les manigas connaissent pas les raquettes cabriolet parce que les manigas comme yon nèg yo dit qu'à l'école y a pas y a fait élol de compétences. Monsieur va pas bagay créer l'éducation. Li va pas ça créer les études professionnelles. Oh, études classiques aucune importance. Notre monsieur c'est vrai comment li ka riche et puis faire l'autre monde qui mettait yo enrichi au détriment des professeurs yo. Au détriment de tout le monde qui dans institut, de tout le monde qui a servi dans l'éducation, de tout le monde qui dans l'éducation. Faut clair avec vous. Ouais, docteur Gariconi, c'est pas ça mettre en pile tout dans tête moi. Est-ce qu'elle vient pour bailler sérieux parce que moi côté ça m'entendé yo dit il mettait monsieur. Parce que pour des zones dans des INFP et pour gens que Gariconi dit que l'amiral met tout bas en ordre, moi c'est que là au moins faut passer maintenant bas ça. Mais attendez. Si docteur Gariconi, j'aimerais tout. Allô? Moi poko avec l'on plus parce que moi j'ai des bagailles, moi recommandé pour des cassations et l'autre bagaille. J'ai un coup de cassation pour des serments. Moi, je dis que la combat corruption. Et vous regardez que l'idée pour que vous avez un audit financier et administratif qui fait dans la voiture. Oui. Eh bien, on voit un coup INFP. Il faut avoir un audit qui fait la donne. Mes amis, si vous voit un coup INFP pour qu'on volume corruption, vous avez un coup ça. Pour volume l'argent, vous avez gagoté un coup de ça. Et puis vous traitez et comme si on fait mes jeux sous lit. Oui. Et puis, ça qui est grave, pour le docteur Gariconi dit, il a valorisé la compétence. Vous n'avez pas compris ça, il a fait INFP, l'Institut National, et la formation, pour le peuple a bien comprendre. Militaire touche plus l'argent que formateur. Comment comprendre? Il y a des militaires qui connaissent. Comment comprendre? Deux équipes militaires, monsieur le ministre, vous avez un problème avec nous. Monsieur, vous avez un pile de nègres qui n'a pas de chance à faire un métier professionnel. Deux équipes de nègres qui n'a pas de chance à l'école. Vous comprenez, nous prenons un militant, mettez-le en prête professionnel, ça vous gâte. Alors, ce n'est pas un problème, non, que nous avons avec militant, M. Caleb. Mais c'est militant, militants, si vous avez nous avons nous nous avons pas de compétence vraiment là-dedans. Ok, c'est bien, Vladimir. Moi, je suis une équipe militaire qui connaît, mais qui est une équipe tout. Malheureusement, l'État n'a pas de chance à l'école. Il y a une militaire comme métier. Pour que ça me dise un slogan avec eux. Mais je suis militaire par métier. Militaire par métier. Comme on comprend les nègres politiques ici, vagabonds ici, toute boîte nous,
côté qui vous vraiment mettez pied sur le développement, vous bourrez. Donc pour bourrer avec moun qui c'est compétence, les gens qui ont appris les vivre pour vous, les gens qui ont voulu des caoutchoucs pour vous, vous prenez moun mettre là-dedans. Vous incarté tout cadre en dedans. Je dis ça. C'est moun qui est en dedans. C'est professeur, c'est syndicaliste qui vous prend responsabilité. Parce que j'aimerais ce qui a responsabilité là pour dénoncer et pour gagner qu'on y tendait parce que même clavon, sous pas parler fort, sous pas faire ça nous est fait, pour gagner qu'on y tendait, il n'y a pas de raison. Il y a 12 ans dans le pays. Ah oui. Et tenez, il n'y a pas de sa capacité en plus dans le bagage. Et comme si on est quitté dans le sel vague sous terre. Deuxièmement, l'on parle des gars iconiques. Qui est-ce qui est chef cabinet? Il faut parler fort lui-même pour le t'aider. Parce que il est qui chef cabinet là pas raconter ça qui a passé. Ah oui. Parce que il est dans la tête de d'éducation. Hein? S'il connaît implication ministère dans des qui a fait ça, il va même garder, il va même voyager garder même. Pour le droit de tremper là-dedans. Ça veut dire, demi c'est pas qui a rapport avec éducation. Qui a rapport avec formation. Faut que c'est pour lui-même qui nous. Atterri pour nous. C'est eux-mêmes même qui victime qui pour lever voir au professeur de voix. M'a dit avec syndicalisation pour aller dans l'ULCC. Aller pour ton plit dans l'ULCC pour corruption parce que demander faut qu'on audit financier et administratif qui fait dans l'ULCC parce que trop corruption en devant ça et immédiatement. Yo joue une corruption pour barrer vagabond vagabond capolé. Eh bien, merci en pile, maître Caleb. Bon, maître Caleb, mon cadeau sincèrement. Gébou nous a levé et cap adressé là avec vous. Oui, maître Caleb, nous déjà écrit ULCC, nous écrit ICREF et nous voyons mandé yo pour venir faire une audit en dans INFP. Mais gon bagay que n'a dit politiquement, t'es gon audit qui t'est fait en dans INFP déjà. Papier et tout papier aurait été en dans primature, yo pas chambre bay résultat. Mais on seul bagay que nous mandé cette fois-ci, nous écrit ULCC, ICREF, et nous faisons lettre, nous annexer et papier nous voyons bay ICREF, bay premier ministre là. Nous font lettre, nous adresser à ministre éducation nationale là, annexer à tout ça que nous voyons bay ICREF, pour capable faire suivi là-dedans. Mais nous capable dire sincèrement, INFP, li en transition même gens avec respect. C'est pour ça nous mandé et gouvernement transitoire ça pour ta permettre moment transition ça pour ta transformer en un moment de restructuration de l'INFP pour éviter gagote habituel yo. Nous t'a mandé gouvernement ça tout pour ta amorcer réforme en dans INFP a. Yo pour ta capable parler d'autre transition. Yon transition, nous t'a capable dit de l'ingérence politique à une transition à une gouvernance technique. M'a répété encore, yon transition de l'ingérence politique à une gouvernance technique. C'est seule chance que système nan ka gen là pour nous dépolitiser parce que objectif politicien yo c'est normaliser la corruption en dans INFP. Bon, c'est premier objectif yo. Parce que là yon entre, faut préparer pour élection, yo prend militant yo. Enfin, tout le monde compte tout bagay. Objectif yo, c'est bureaucratiser yon institution technique. C'est travail yo. Et c'est dévaloriser, y a dévaloriser système nan, là a pour un paquet mille militants mettre là-dedans, un paquet formateur pas ka nommer. Tout militant yo nommé en don institution technique nous dit c'est une aberration. Malheureusement et maître Caleb Degantan et aller en aller pas un problème. OK. Et oui, par contre nous dit que depuis quelques années Nabdil nous redil tout technicien qui va entrer en Haïti là c'est dans pays étranger yo sorti. Puis yo vinn là. Et nous te dit BID, Banque Interaméricaine de Développement. Tu as envoyé un message là. Okay. Parce que après 2004, tu as investi 22 millions de dollars et en dents et INFP, tu as créé propre institution pour créer les UCP pour te gérer comme là. Comment? Où prends ça dire pour nous? Et après 2004, BID, Banque Interaméricaine de Développement,
te besoin investi 22 millions de dollars en dans système. En dans système. Qui ça yo fait? Yo pas fait INFP confiance. Son message yo voyez. Son message. Bah il est arrivé. Yo créé propre institution par yo UCP, unité de coordination de programme okay. pour te gérer Koblak avec INFP. Deuxièmement, nous gagnons ça veut pas faire confiance. Pas faire confiance. Deuxièmement, nous gagnons secteur industriel là. Depuis 2001. Yo gantan wè, yo a parlé de absence ou manque de main d'œuvre qualifiée. Yo gantan créé propre centre relé Haiti Tech pour les besoin technicien pour yo ka joine. Cela veut dire en gros son message, que yo voyé bay et dirigeant haïtien pour yo dit il malgré ça. Yo continue encore. Yo wè ça continue sous même. Yo continue à voyer parti politique à voyer technicien dans tête système là encore. Et là, nèg yo entré, c'est dévaloriser, vinn dévaloriser tes techniciens. Son côté, moi-même, moi dit qui est cohérent, qui a tout type de lacune, INFP. Parce que ça nous est formateur, humiliation nous est formateur, après l'emboîte ça. Mon cher, que il faut, nous pas besoin l'autre monde en tête INFP, nous besoin l'autre INFP. On l'autre INFP, nous besoin l'autre INFP. Pour nous redéfinir mission INFP. Parce que fort mission INFP redéfinie. Parce que ça là nous pas carré l'INFP. Nous elle bon, les nèg yo entré, yo prend INFP comme si on bien maman yo papa yo mouri qui était. Parce que dans tout ministère nèg. Non, ça c'est grave. Ou pas suivre les que ou y veut pays étranger ou sont employés de l'état mon yo son gloire pour dire son employé de oui, l'état. Oui, son honneur. La fini ou gain un minimum de compétence ou gain un maximum de compétence ou minimum de crédibilité. Exact. Depuis yo wè ou yo dit que ou senti son monde qui son monde qui de valeur. Oui. Ici en Haïti, depuis dit employé de l'état son homme, c'est la corruption totale. Oui. Mais monsieur paye pas carré comme ça. Non, paye pas carré comme ça. Est-ce que bon, la formation professionnelle, moi c'est d'où c'est le microprocesseur. C'est nous t'as parlé développement durable. Tout pays nous et qui grande puissance, journée jodia, yo passé par la formation professionnelle. Yo formateur en Allemagne, c'est un monde qui bien oui. Bon même piquant, yo pas aimé piquer yo un formateur non. Mais ici en Haïti, en dans INFP, pile formateur il est devant INFP, yo pas qu'à rentrer non. Parce que et bagay yo pas renouvelé contrat yo tout autant de fois yo pas qu'à rentrer et si on force rentre on prend pile ça bon même la main sécurité formateur alors c'est pour montrer comment il a humilié les formateurs un paquet de jeunes garçons qui bien formés qui fait des temps et des temps avec contrat la main au stage pendant ce temps et militant à taille mandat. Ouais. Cela veut dire c'est une institution réellement qui mérite d'être repensée. Les que n'a parlé de nous demander que réellement pour que conseil présidentiel ça son cadeau en or l'état bail peuple haïtien pour le retirer secteur à la main politicien pour le faire population haïtienne cadeau parce que nous dit déjà nous besoin yon système formation professionnelle libre de toute ingérence politique. Exact. Parce que là nous gagne Canada aujourd'hui, regardez. Combien centre normal cap marcher dans pays là ou gagne CTMO, l'ambicentenaire ou gagne Canada ou gagne Haiti Tech. Bon, centre pilote pas besoin parler de lui-même quoique yo se dépenser 7,5 million en de centre pilote là. Mais système de gouvernance qui est là, ou qu'on n'est pas de transparence. Tout l'argent a dépensé, il bien 7,5 million. Je veux dépenser. Mon cher, faut que vous dites qu'elle fait tout de suite parce que les directeurs, la mi-temps projet ou bien projet était presque fini, directeur centre l'empathie. Directeur général INFP, il n'a pas fait concours pour le remplacer. Li kouri prend un autre nèg de près l'autre nèg là li kouri mette et système nan organigramme nan dit pour directeur centre pilote Jiberami n'importe ça faut que c'est pas voir deux concours politiquement yo kouri voyon moun nan centre pilote politiquement yo kouri voyon l'autre chef des travaux cela veut dire mais comment nèg yo détruit centre yo si que normalement pas gon réforme en profondeur qui fait là pendant ouais que nous mandé que pour conseil d'administration, l'entête INFPA a un mandat de 2 ans. Même gens avec
et premier ministre Gary Conny, même avec conseil présidentiel pour nous te faire un faisceau, un réseau avec Negio, pour nous faire une réforme en profondeur, pour nous faire une restructuration. Par exemple, on parle de JB Damien. Negio, il n'a fait pas venir pour faire centre. Negio pas venir faire centre. Non, c'est pas gagné. On parle nous pour JB Damien. JB Damien, moi dis nous qui en bas un hangar depuis 14 janvier. Depuis 14 ans. Depuis après tremblement de terre. FNE. Fonds national éducation. Relais JB Damien, yo dit JB Damien, yo gagne près de 419 millions, pas qu'on est combien millions, mais qui disponible pour reconstruire JB Damien. Ça fait. Ça gagne, ça pral gagne 2 ans depuis yo relais JB Damien. Jusqu'à nos jours, pas qu'on commission pour monter dans l'INFP pour ça. Pas gagné un appel d'offres. Pas qu'on plan pour jouer. Cela veut dire que n'y a pas sous système. Non. Et n'y a pas qu'on est, c'est sous dos ceinture à toucher. C'est pour ceinture l'État payé. Oui. L'État payé, directeur général là. Directeur général à toucher sous dos ceinture. Administrateur à toucher sous dos ceinture. Comptable à toucher sous dos. Tout le monde. Bon, allons INFP, mandez comptable là. Un rapport de yon centre. Non, il n'y a pas de mal comme ça. Non, rapport n'y a pas de mal. Et l'État créé ceinture gratuit. JB Damien t'a touché 7 dollars par payé étudiant a payé 7 dollars par an, centre pilote payé 10 dollars par an. On est fait après JB Damien. Effectivement, à l'an centre pilote gain option là 6-7 000 dollars pour deuxième. Yo créé une deuxième vacation l'État parce que yo pas gain budget. Yo pas gain budget assez, yo pas gain budget assez de fonctionnement ni budget d'investissement assez. Et tandis que l'État baille 2.5 milliards pour système là. Comme ça, il passe dans le bureau central, il passe dans le fait. Dollars, good, good, good. Cela veut dire, même les centres pas d'app marcher sur les roulettes, avec mais au moins centres t'app fonctionné. Oui. Par exemple, centres pas de moyens pour mettre gaz dans génératrice pour tout le monde faire pratique. C'est ça qui fait rentrer dans centre l'arrivée. Un professeur Abgouma directeur, directeur Abgouma chef des travaux, parce que moyens yo pas permettre de faire centre marché. C'est là politiciens ont créé une division entre nous-mêmes. Et ils ont ça à faire. Ils ont ça à faire très bien. Cela veut dire, c'est là que nous demandons au Premier ministre Gary Conny pour le temps de clairement émission ça, pour qu'on ait nous camper en quoi nous ne pas prendre politiciens et parachuter dans un système ça encore. Yeah. C'est pour yon li projet que nous voyons bah très bien, pour yon tout inconvénient, tout problème, pour yon que qui, pour qui raison que nous demandons conseil d'administration qui pral gagner tout composant yon là-dedans. Et c'est pas une série de monde que nous pral prendre dans mes partis politiques, c'est dans mes associations, c'est une série de monde qui passe de présentation en un système qui est capable rénover système non, qui capable normalement font réforme en profondeur, qui capable restructurer système non, et c'est pour ça nous là nous dit demander mandat ça 2 ans. Cela veut dire nous pas qu'accepter n'importe monde entrer là qu'on y a là. Exact. Merci infiniment professeur Jean-Marc Léveillé avec Erol Jean et Erol Charles Civil. Peut-être content en pile que j'ai passé là et je dis à vous une belle détail parce qu'il y a quelqu'un qui pas saisi ça. Quelqu'un qui pas quand pile voir que nous dit là et qu'on y a mon a sauté sur vous dit pas de comprendre et dans quel niveau était traité question formation professionnelle. Non, formation professionnelle traité en parent pauvre. Moi-même qui me fait mal pour formateur. Regardez, formateur sous compte c'est vendre à crédit. Oui. Et l'on finit, on contente que dévalorise. Bon, nous politiciens, nous-mêmes, on en a marre de ces gens-là. Okay. Depuis qu'on dit politicien dans l'INFP, c'est levé couille. Parce que ça, nous pas prêts encore. Nous pas prêts parce encore. Que ça n'est ça qu'on fait dans le système, ça. C'est pas si bagage jouette. Moi-même, en tant que. Nous finissons, on fait un rapide. Moi-même, en tant que aîné système, je parle de tout ça, je fais le système. Je fais secteur privé, je fais l'État. Oui. Je passe dans le cabinet ministre comme consultant ministre. Je passe chef transport et éducation nationale. Je suis conseiller en dans INFP. Je n'ai pas servi avec. Depuis 2008, autre que je n'ai pas payé mon poste là. Yo pas payé pour ça. Un ministre voyem dans INFP comme conseiller depuis 2008, yo pas payé pour ça. Nous avons fait combien d'années à toucher 20 combien mille gouttes. Yo pas régularisé. C'est tout dernièrement là yo régularisé comme et en tant que même comme m'a touché à directeur, et m'était directeur déjà. Okay. Yo t'ai régularisé directeur yo t'ai bail directeur yo augmentation, yo pas de moment pour yo régularisé, yo pas régularisé. De combien de temps a touché 20 combien mille gouttes. C'est tout dernièrement là sous directeur Dikel, chaque point est régularisé. Et m'a tout dit directeur Dikel, dernier bagaille m'a dit,
Nous pas de problème avoir du tout directeur Dickel. Directeur Dickel, c'est un ancien étudiant, un ancien professeur, un ancien chef de travaux qui saute dans fief nous. Okay. Mais qui nous demande président Jovenel, nous dit nous pas voulez politicien entrer. Directeur et président Jovenel a choisi et directeur Dickel voyez ba nous. Mais le directeur Dickel monté depuis l'embarria nèg yo prend virginité. Depuis l'embarria. Ah yo de. Mais quoi que l'on ait détermination pour le travail, c'est ça que fait demander conseil là tout. Quel que soit ta détermination, si tu parti politique vient mettre en dans ça, le directeur général pas capable. Pas capable. C'est là quoi que le directeur gagne, il pas capable, elle pas capable. C'est pour ça nous demandons conseil d'administration ça qui parle de plusieurs composantes là-dedans pour nous chita en étroite collaboration avec quelque palais national, quelque premier ministre Gaïkoni, quelque conseil pour que pour parti politique pour ne pas gagner pour ne pas gagner dictée pour ne pas gagner l'ordre n'apprend la partie politique pour les gagner un bagage qui entre pour budget système non pour ne pas voir moitié long parti politique pour sentir pas joindre rien. Exact. Et Walsh Civil n'a fini n'a dit Radio Télé Éclair merci de ce qui ou bail population chance pour le temps de ça qui a passé dans pays n'a dit le coup désir encore une fois me connaît ou dans état de désolation mais courage. Journaliste moi me félicite son grand valeur pays a besoin. Maître Caleb Jean-Baptiste vous se réserve pays mais Maître Caleb, ça va faire les difficiles pour précaution parce que le pays d'Haïti n'a pas besoin de monde content pour eux. Il n'y a pas besoin de monde qui a dénoncé la corruption. Moi-même, là, je suis privé dans le bureau, c'est mine marée dans la forme. Je suis haïtien, je suis frappé pied. Je suis haïtien, c'était pour moi tout, des salines de mourir pour moi tout. Au contraire, je reconnais dans cette mauvaise bataille pour moi parce que jusqu'à date, je marche dans la ligne droite. Dans la ligne droite que les ancêtres nous ont tracé pour nous. Et surtout à travers la section professionnelle. Les nègres qui sont nés dans la corruption, ils sont à l'aise, ils sont confortables. L'ont dénoncé, l'ont mérité leur mort. Parce que nèg sa gen pays de réserve, même c'est Haïti m'gen. Haïti m'remel, m'vle vivre là-dedans, m'vle vivre pour lui. On nous valorise le système professionnel là, quel que soit moun ou ya. Ou t'es dans le système non tout. Toujours. Ou prend conscience, état ou pas bon, joie fonctionner pas bon, ou gen place ou. Ou c'est haïtien, compétence ou expérience ou habitil nous. On mette en évidence. Bon, on bah Haïti on l'autre chance. Avant